put the place up. Yeah, we know what we made of. Can't get enough for you, boo. I'm a chaser. Face up, now I feel a little major. Blink of an eye, ego, I'm a taker. Shaker, yeah, she was a ball shaker. She shake me out that door to no place. Damn, why you doing all that? Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. La chaîne où on fait des fusions. Ouais, c'est presque ça. On est là pour faire des fusions. Mais ouais. Ça passe, c'est un petit remix aujourd'hui, c'est une vraie fusion les gars. On fusionne avec les dragons. Donc imaginez-vous, là ça va être une grosse transformation, une belle transformation. Et on est toujours sur le nouveau jeu, question pour un guerrier. Donc pour ceux qui connaissent pas, on vous balance le générique du jeu. Salut les guerriers, je prends le relais pour vous expliquer les règles du jeu. Question pour un guerrier, c'est un jeu de devinettes. Plus la devinette arrivera à son terme, plus facilement vous trouverez la réponse. Alors écoutez bien et ne soyez pas autant anticipé que nos deux participants. Toutes les réponses aux devinettes sont sur le thème de la musculation. Nous ne sommes pas là pour faire du yoga. Au top départ du présentateur, les deux participants qui s'affrontent se mettent en position de gainage. À partir de là, si le buste ou les genoux touchent le sol, c'est perdu. Les participants sont donc en place. Le présentateur commence la devinette. Pour y répondre, rien de plus simple. Il suffit de claquer des mains et pas des fesses. Mais attention, si vous claquez des mains, le présentateur s'arrête dans sa devinette, même si elle n'est pas finie. Alors ne soyez pas trop précoce. Si la réponse est fausse, le participant devra faire deux pompes avant de pouvoir reclaquer des mains. En attendant, la devinette se poursuit et le deuxième participant peut toujours y répondre. Une bonne réponse fait faire quatre pompes à son adversaire. Au bout du compte, le participant qui aura fait le plus de pompes aura perdu 10 devinettes. Du gainage interminable et plus de 40 points. Pour être le guerrier, il faudra rester force et fun. Hey, on les a pas présentés quand même, ils vont se présenter. Newton de la team Double Dragon, 38 ans. Et le sacré daron. Physique, les gars. Le daron du fit game. Et je, Double Dragon, 33 ans. Je suis pas un vieux. Voilà, donc il y aura leur chaîne en description et il y aura aussi la chaîne de la salle dans laquelle on se permet de tourner aujourd'hui. Ouais. Merci à Eddie qui nous a laissé vraiment toute sa salle à disposition. Et on est parti. Ok, donc là, une devinette. Plus la devinette va avancer, plus ça sera simple pour trouver la réponse. C'est ça. Jo contre Newton, c'est parti. Première question. Je ne suis pas une femme, mais pourtant, lorsque je me sens prêt, je porte un string. Mais je ne suis pas pour autant du progrès, même si je les attire. Attends, pousse. Pousse, il a dit. C'est une question politique ou c'est une question... Quelle musculation. Alors que ça va, qu'on vient de faire une grosse séance et une vidéo de motivation. Le mec a dit ça, non. Donc là, ils sont plus lucides. Là, ça va être compliqué. Là, ça y est. Les gars. On est plus lucides, hein, ici. Ça va être compliqué aujourd'hui. Vas-y, répète, vas-y. Et à partir de maintenant, le premier qui pose un genou au sol, il a perdu. Donc, première question. Je ne suis pas une femme, mais pourtant, lorsque je me sens prêt, je porte un string. Mais je ne suis pas pour autant que je progresse, même si je les attire. Mon succès. Un bodybuilder. Bien joué. Il est chaud. Mon succès il avec chaud. Les hommes. Mais dû à mon physique que je travaille tout au long de l'année. Mais cela ne suffira pas si je veux gagner. Il faudra pour moi risquer la santé. Donc, c'est lui qui fait des pompes. Il est très chaud. Donc, 10 pompes pour. Pour un mec qui fait des strings. Ah, c'est ça. Un peu gymé, là. Tu te sens prêt. Quand tu te sens prêt, tu portes un string. Et toutes les questions sont en rapport avec la musculation. Les réponses, c'est toujours en rapport avec la musculation. Ok. Donc, vous allez trouver. On a du mal à être lucide, on manque de glucides. Putain, je fais des rimes. N'hésite pas à mettre un pied sur Newton. Ouais, il est costaud. Ouais. Oui, il reprend, je vais y aller doucement avec. Non, mais tu gagnes du temps là, vas-y. Attends. Question numéro 2. Je suis naturel, mais les parents pensent que je suis mauvais. Allez, tu fais des pompes. Ouais, deux pompes. Je continue. Pourtant, ils me consomment au quotidien et m'utilisent même pour les biberons de leur bébé. Bien sûr. La protéine. Ouais. Bien sûr, ils n'utilisaient pas le code QNT, mais dans un objectif de croissance pour un bébé ou un musclé, il faudra sûrement en consommer, donc la protéine en poudre. Allez, troisième question, les gars, on se met en position. Bonjour, parti. Je suis pas un tricheur, je fais des pompes. Ah ouais, c'est vrai. 10 pompes pour Newton. Ah, y a plus de lucidité, même chez nous. Ça y est, moi je suis KO, voilà, mon cerveau il marche plus comme d'habitude. Hein. C'est reparti, troisième question. Je suis reconnu par l'État, donc contrairement à d'autres, je ne me suis pas autre. BPGEPS. Non, je ne me suis pas autoproclamé compétent car je suis musclé. Ces musclés essayent de me copier car c'est à la mode, mais sans ma carte, une amende salée vous risquerez. Pour ce métier, il faut se former, ce n'est pas inné de pouvoir aider les gens à se transformer. Ouais, je suis. C'est bon. Un coach sportif. Oui. Bien joué. Il y a du travail derrière ces questions, les gars. Bien joué. Bah alors, t'as vu, c'est dur, hein. Plus c'est long. Ah, parce que j'ai mal au triceps, là. Question 4. Les crossfitters m'adorent, mais pas les bodybuilders. Les bottes traction, là. Non. Deux pompes. Allez, hop. Je fais du surplace, alors que ceux qui m'utilisent se déplacent. Je travaille tout le corps, mais surtout le cœur. Je ne suis pas un bateau, mais je navigue aussi sur l'eau. Le cardio. Allez, deux pompes. Je la refais. Les crossfitters m'adorent, mais pas les bodybuilders. Je fais du surplace,
alors que ceux qui m'utilisent se déplacent. Je travaille tout le corps, mais surtout le cœur. Je ne suis pas un bateau, mais je navigue aussi sur l'eau. Il l'a. Rameur. Ouais. Putain, oh. Il prend son temps, il réfléchit et tout. Ah ouais, bon, écoutez la question. C'est la dernière phrase, c'était la plus importante. J'ai vu Joey commencer à faiblir, il faisait des petites décales comme ça. Cinquième question, il en reste trois, les gars. Joey, c'est quoi cette position farfelue fait du chat. Non, le but en vrai, c'est de pas toucher un genou au sol. Donc, pour l'instant, après, là, vous êtes bien. Tu veux. Tu peux m'obtenir sans me travailler spécifiquement. Mais attention, si tu ne m'as pas, tu n'auras pas de chocolat. En manche courte, je fais la fierté de mes gars, car le tour de bras dépend aussi de moi. Les abdos. Le tour de bras dépend aussi de moi. Deux pompes, on enchaîne. Je la refais. Tu peux m'obtenir sans me travailler spécifiquement. Mais attention, si tu ne m'as pas, tu n'auras pas de chocolat. En manche courte, je fais la fierté de mes gars. Car le tour. Les bras. Les bras. Non. En manche courte, c'est presque ça. Vous l'avez presque, coach. Les biceps. Les biceps. Mais il n'y a pas de claqué des mains, il n'y a pas de claqué. Si, j'ai claqué. Ah, c'est costaud, hein. On a fait une grosse séance. Regarde son triceps, gros, il est congestionné. C'est abusé. On va refaire le possible si tu veux après. Non. Allez, on va enchaîner pour celle-là. Mettez-vous en position. Question 6. Lorsqu'on me lâche, je provoque des secousses sismiques. Un alter. Allez, hop, deux pompes. Fais parler ton ego face à moi et ce sera tragique. Tu l'auras compris, il te faudra technique et pratique si tu ne veux pas finir tétraplégique. Bah. Allez, encore deux pompes. Allez, hop, deux pompes pour toi aussi. Je suis dangereux, oui. Oui, yes. Là. Je suis dangereux, oui, mais avec moi, tu auras un gros physique, le soulevé de terre. Sont les 10 pompes Newton? Ah non, on ne dit plus, là. Et là, il n'y en peut plus. Oui, il n'y a pas de cadeau. Dernière question. Je suis périodique en musculation. Et pire que le désert, je te promets des hallucinations. À cause de moi, la nourriture est devenue pour toi une obsession. La sèche. Oui. De faire devenir sec est ma mission. Mais garder le muscle, il faudra faire attention. Je suis la sèche. Vous pouvez vous mettre en position. Là, c'est la dernière. Celle-là, elle est rapide, elle est facile à trouver. C'est celle qui va vous départager. C'est ça. Je suis présent dans tous les sports. Grâce à moi, la récupération est bien plus rapide. Je suis souvent associé à de la triche. Je permets de dépasser les limites. Non, deux pompes. Je permets de dépasser les limites humaines. L'eau. Comment ça, l'eau? Il fait 4 pompes au lieu de 2, toi. Je suis présent dans tous les sports. Grâce à moi, la récupération est bien meilleure. Non, deux pompes. Je suis souvent associé à de la triche. La testo. Ah voilà. Comment ça, j'ai cru que j'allais trouver instantanément. Je crois que c'est une victoire de Newton. La triche, franchement. Il est fait, il joue le jeu. C'est fini, c'est le premier dommage. No fake, just training, il faut pas s'emballer, les gars. Bon, voilà, les guerriers, c'est terminé. C'était l'épisode 2. Il y avait l'épisode 1 avec Bastos et Pimou. Si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Qu'est-ce que vous pensez de ce format de vidéo? On essaie d'innover un peu dans ce vidéo. Franchement, c'est pas mal. C'est marrant, tu passes du bon temps et ça te fait réfléchir pendant un moment. C'est dur, hein, c'est dur. Franchement, surtout quand t'es en manque de glucides et que t'as fait une grosse séance avant, mais c'est cool. Mais tu prenais ton temps pour répondre. Ouais, parce que à la base, t'avais une bonne technique. J'essaie de comprendre la question. Lui, il essayait un peu plus de le tester au bluff. Ouais, c'est ça. Du coup, quand il répondait, il claquait avant, ça me mettait la pression, tu vois. Du coup, j'entendais plus la suite de la question. Mais c'est cool, franchement, c'est bien. J'aime bien. Et je pense que Newton est quand même devant. Je pense que t'as peut-être moins de points. Mais on verra au niveau de la. Je suis pas sûr. De la barre. S'il y avait des fausses pompes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur. Ah, bah j'ai fait des demi-pompes, hein. J'ai pas fait des pompes. Je dis direct. Voilà, bah sinon, c'était une super rencontre. On n'a pas fini. Il y a l'Italie qui joue après. Après, on dort tous chez Pimous. Quand la vidéo elle sera sortie, le match. Je prends l'Italie parce que je suis avec Fitness Fusion. Voilà. Quand la vidéo sera sortie, l'Italie aura gagné de toute façon. Donc... Si l'Italie ne gagne pas, ils nous doivent quelque chose. D'accord. Okay. Bah, vous êtes confiants. On payera la prochaine cure que vous ferez. Allez. Donc, par contre, je veux de la qualité, donc vous n'allez pas chercher des trucs. Qui sont fabriqués dans l'état. Que de la qualité, monsieur. Moi, c'est de la qualité. Hein. Okay. Pharmaceutique, monsieur. C'est ça. Donc, vous allez chez QNT, vous avez moins 1% que vous. Voilà, n'oubliez pas surtout. Ouais, et puis donnez de la force à Jim Barral. Ouais, à Jim, super gentil de nous avoir accueillis. Voilà, donc si vous êtes dans le secteur, dans le Nord-Pas-Calais, n'hésitez pas. L'adresse est en description. La salle est magnifique, les gars. Vous dites que vous venez de la part de Fitness Fusion. Et vous allez avoir des réductions. Bah, si vous venez de la part de Fitness Fusion, et vous paierez quand même 10 euros. Si vous kiffez le concept américain, franchement, ici, c'est top. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en présence de Newton, Didio, Imus, Force et Fun.